exceptionnel hein, ce soir qui affronte un The Bed avec son Bowser contre Hideo et son fameux Amphidobi qui lui a sorti son main. C'est parti. Premier avantage pour The Bed hein, qui commence les tilts. La chope qui fait très mal avec les pics dans les fesses de la grenouille. Oh oui, le feu ça brûle même sur une grenouille hein, même si c'est Spéo, ça fait très mal. Spéo, oh hein, l'élément, hein, pas la spéologie, hein, ne va pas confondre, hein, je raconte n'importe quoi. Ouh, attention la jambe qui... Ah. Et c'est le kill de The Bed en restant à 0%. L'imposition qui fait face à Hideo. Ouh là là, Hideo qui n'est pas très chaud. Attention, je rappelle qu'Hideo nous avait dit qu'il avait du mal avec son Infinobi, avec le leg input, qui était meilleur avec Infinobi offline. Match d'exception, attention, là on risque d'avoir du level. Hein. On va avoir du level. Attention, peut-être qu'Hideo a le temps de se chauffer. Ah, ça fait très mal, attention le feu, ça brûle, hein. Je le répète pas assez souvent. Je sais pas pourquoi tout le monde va dans le feu. Hein. Je sais qu'il fait froid hein, cet hiver, il y a un peu de neige en plus sur Paname en ce moment. Mais quand même. Belle chope et bon écrasement du bidon, hein, le bidon de Bowser qui fait mal. Oh là là, la toupie Beyblade, hein. On l'avait oublié ce skill. Déçu de ce match, ça commence. Le deuxième kill de The Bed, ça fait tellement mal. Bowser, hein, Bowser qui est assez présent dans... Par les gros joueurs, beaucoup de gros joueurs jouent Bowser, j'ai l'impression. Je suis sa pute. Hideo qui a le temps d'écrire dans le chat, il n'y a plus de respect. Hideo qui a le temps d'écrire dans le chat pendant le match. qui nous apprend qu'il est sa pute. Ah, c'est un métier, hein. C'est un métier comme un autre, hein. On va pas dénigrer ce métier, hein, Hideo. On te soutient quand même, hein. Au moins tu as un salaire. C'est la chose qu'il faut se dire. Oh, GG, la punition et le kill d'Hideo. Peut-être le comeback, hein. Peut-être le comeback. Attention à Amphinobi, hein, c'est très très rapide. C'est vraiment l'opposé de Bowser en plus, hein. C'est vraiment le perso super rapide, super squishy. Contre le perso, le gros cul du casting. Les gens regardent vraiment le match pour une fois. Bah j'espère, c'est dommage qu'il n'y a pas le système de betting. On aurait pu faire des paris. On aurait pu voir qui c'est qui se trompe. Oh, le timing parfait. Oh, 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 oh. GG à The Bed. Pour cette première victoire. Pour cette première victoire. Dans ce BO3. Du coup, match retour sur CB. Counter-pick autorisé. Va-t-on avoir un counter-pick sur CB? Je pense que Hideo va counter-pick. Mais oui, je sais pas comment ils t'ont gaulé. Faudrait que quelqu'un m'aide pour faire les bêtes. J'aurais bien. Genre, je vous fais gagner des points. Il y aura un système d'argent, tu vois, de gold. Comme, je sais pas, les gens ils parient. Un public qui parie, ça serait stylé. Et genre, vous faisiez genre, tu sais, bête J1, tu vois, genre joueur 1, ça serait le joueur de gauche. Et hop, vous gagnez des trucs et tout. C'était Aatrox versus Akali. Je peux counter-pick Mi, non. Counter-pick, mais pas le Mi. Je peux le faire, ça. Faudrait que je trouve comment et franchement un truc interactif. Un classement, mais il faudrait que ça, ouais. Ce serait marrant qu'un classement que je fasse jouer ceux qui ont plus de points soient plus sélectionnés dans le Colisée, à la rigueur. Comme les subs avec les... Ah, vous n'êtes pas pris CB, vous n'avez pas pris CB, les gars. Vous êtes trompés. Vous n'avez pas pris CB. Ça doit être Hideo qui s'est trompé. Et tu doubles ta mise. On va faire ça, les gars, si vous aimez bien les petits paris. Ça serait bien qu'on mette de l'argent, mais malheureusement, on ne peut pas faire de paris d'argent en France. Sinon, je vais me faire instant ban de Twitch. Mais ce serait bien qu'on fasse de la truc virtuelle pour vous faire des petits avantages virtuels. On mettra ça en place, il faudrait juste que j'arrive à comprendre un peu comment ça marche. Avec Streamlabs. Et moi je suis avec Streamlabs, j'ai pas ça, c'est peut-être un add-on. Je sais pas, je comprends pas trop. Enfin bref, on regardera. Genre en bas de ton stream, il y a un truc subbeat. Onglet point. D'accord, faudra que je regarde ton onglet. Faudra que je regarde. Ah oui, mais j'en ai déjà vu, mais je sais pas si c'est des fois ils ont des plugins externes, en fait, des plugins tiers. Et je veux que les gens ils sub et ça pourrait être sympa. Et après, le deuxième truc, moi, c'est qu'il me faudrait une deuxième émote pour que je puisse faire mettre les votes du public entre CB et DF. Avec la main vers le haut ou vers le bas, ça serait stylé. J'aimerais bien une petite main, une main de troll ou je sais pas. On verra ça. Ah, Théo qui a rejoint le Discord, hein. Bienvenue à toi, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, hein. Pour les lives et pour la communauté, bien sûr. Et du coup, match retour entre The Bed et Hideo, pardon, retour dans le match, match retour sur CB, je rappelle, 1-0 pardon, pour The Bed,
qui a gardé son Bowser, mais par contre counter pick de Fel Inferno pour Hideo. Petit avantage hein, pour The Bed encore une fois. Alors va-t-il pouvoir faire des chocs spé sur un Bowser qui est assez... Oh là là, le combo qui est vraiment pas mal. Rengar version. Mec a trop joué à LOL. Faut se calmer par contre. LDO. Il regarde LDO, c'est pas bon. Un tuto, ça marche ton golet. Dans un truc assez interactif, assez sympa, simple à faire et que les gens puissent voir où ils en sont. Et ouais, que je puisse changer, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais hier j'ai vu un streamer avec Ah, on en parle après, on en parle après, attends. Ah, cette chop spé qui fait tellement mal. Tellement mal de Bowser. Qui peut kill. Oh GG. Est-ce que Hideo va prendre la première stock? Est-ce que Hideo va prendre la première stock? Attention. Match beaucoup plus serré. Est-ce l'effet CB ou est-ce l'effet du counter pick? Allez, c'est le premier kill. Le premier kill d'Hideo. Alors j'ai trop envie de voir un BO3 au complet. Hein. J'ai envie de voir les 3 matchs. Chip plus Glock versus AWP. On a toutes les comparaisons possibles. J'adore, j'adore. Enfin, je sais plus ces comparaisons à CS que LOL maintenant. Je pense que ça va être le kill. Oh GG Hideo, je pense qu'il a osé, il savait qu'il allait se faire punir sinon. Il a osé. Plus la belle musique épique. Hideo à 172%, mais toujours 3 stocks hein. Et qui a déjà mis en mal The Bed à 65%. Oh là là, on a trouvé le counter, on a trouvé le counter de Bowser. Et le counter de The Bed hein. Par que ça d'allemand. Attention, c'est le kill. GG. Une stock perdue des deux côtés. Mais The Bed déjà 87%. Attention. 108%. Oh là là. Oh, je serais content qu'il y ait un 1-1 là. Je serais vraiment content. Là. Oh, Hideo qui prend son deuxième kill en étant à seulement 3%. GG Hideo. GG Hideo. Comme quoi l'input lag était peut-être la cause à effet de cette première défaite sur son Amphinobi. Tous ressemblent, les pseudos se ressemblent. GG, c'est un magie. Ah oui, attention, le retour du feu qui brûle. Mais par contre, sur Fel Inferno, ça ne marche pas. Parce que c'est un chat de feu. Et du coup, je crois que c'est lui, hein. Faut faire attention. Je banne celui qui perd le BO3. Allez, MC s'impose en tant que modo. Hein. Il invente des nouveaux concepts dans, sur ce stream. Hein. Une lose, c'est un ban. Un ban def, bien sûr. Ouh, ça fait mal. C'est dommage, hein. Enfin, c'est dommage. Non, c'est pas dommage, c'est pas dommage. Je sais pas ce que je raconte, c'est pas dommage. Non, c'est très bien, c'est très bien. Le spot judge qui se fait un peu punir malheureusement là-dessus. Ah, c'est stylé cette petite AOE, hein, parce que c'est même pas trop punissable, hein, c'est dur d'être punissable. Ah, ça joue safe, hein, ça joue safe, on sait que c'est un match avec beaucoup d'enjeux. Hein. Oh, vite fait en fait. Vite fait, vite fait. Allez, Hideo, je compte sur toi, hein, parce que Hideo joue pour l'honneur, hein, alors que The Bed va me ruiner s'il gagne trop de matchs. Oh, la chop spé qui passe. Oh, Hideo nous a fait une chop spé en... dans le offstage. GG à toi, Hideo. Hideo qui prend ce deuxième round haut la main. Félicitations à toi. Du coup, GG 1-1 sur ce match, sur ce BO3. Putain. C'est qui le cru? Qui le cru? Qui le cru? Pas moi. Ah, je suis content, j'ai un beau match. Du coup, bah maintenant, sur sur la troisième map, les gars, écoutez-moi bien sur cette troisième map. C'est vous qui décidez, c'est le public qui choisit. Spammez dans le chat si vous voulez que la map soit DF pour avantager The Bed qui a gagné le premier match sur DF. Ou si vous voulez que la troisième map soit CB, la map qui a avantagé Hideo. C'est vous qui décidez dans le chat, spammez DF ou CB. C'est facile, c'est de l'être. DF ou CB, tout de suite dans le chat. Spammez. On spamme dans le chat. DF ou CB. DF pour avantager pardon, The Bed ou CB pour avantager Hideo. DF ou CB. DF ou CB. CB, DF, on verra selon ce qui ressort le plus. Ouh, c'est équilibré, c'est équilibré. Je crois que DF ressort un peu plus. Je crois que DF ressort un peu plus. DF à l'avantage. Ah, j'arrive même à commenter le chat. Hein. Je suis vraiment incroyable. Hein. Et bah, je crois que DF a gagné pour l'instant. Il n'y a pas beaucoup de spam, tant pis. Ah, un équilibrage sur CB. Oh, l'équilibrage sur CB, Exio. Il nous manque un dernier vote. Le dernier vote décisif. Le dernier vote décisif. The Pox. The Pox, salut à toi, choisis-tu DF ou CB? Non, et puis on est en train. Attention, DF ou CB? Oh, je sais plus, DF ou CB? Tangolé CB? Et je crois que ça va partir sur CB. Non, non, toi!
Il a joué The Box of Suicide, c'est B. Vu qu'il y avait égalité, on va partir sur... Je crois que c'est CB qui gagne. Je crois que c'est CB qui gagne. Hein. On est d'accord avec moi? C'est un peu à vue d'œil. Hein. C'est un peu à vue d'œil. C'est un peu à vue d'œil. C'est DF? Je crois que c'est... Non, je crois vraiment que c'est DF? C'est parce qu'il y a eu, CB, il y a eu beaucoup de CB après. Non, ça sera DF Arène, hein, bien sûr. On reste sur le RP. Faites voir. Attendez, je remonte. Attendez deux secondes, attendez. Hein, on est là sur le match des sections quand même. C'est parce que ton bolet, il m'embrouillait avec ses CB, ces machins, là. Eh ben, on part sur DF, les gars. On part sur DF. La map Arène, DF. C'est bon, c'est DF. Destination finale, c'est validé. C'est validé. CDF. Il y en a partout. C'est partout, CDF. Bah oui, il faut être plus réactif sur les votes aussi. Là, vous faites tout en décalé. On était déjà décidé. Sur la même map, hein. Sur la même map en DF, hein. Bien sûr. Hein. La même arène. Non, pas destination finale. Hein. Sur la même arène en DF. Hein. Et du coup, The Bet qui a pris Lucina. Oh, il va me faire rêver avec sa Lucina. Il va me faire rêver, bordel. Et c'est parti, la finale de ce BO3 entre Ideo, a.k.a. le Fel Inferno, et The Bed qui a counterpick avec sa Lucina. Du coup, ça fait... Et c'est parti, petit avantage pour Lucina de The Bed. Oh, le B neutral qui passe, attention, hein. Il aurait pu se faire stun là-dessus. Oh là là, il joue tellement bien, ça joue tellement bien, les gars, bordel. Alors, est-ce que Lucina a sa counter un Fel Inferno? Je ne sais pas. Je ne sais guère, hein. Naguère, je ne sais naguère. Oh! Oh, faut oser le Benetral comme ça, hein. C'est pas mal, hein. C'est vrai que je fais pas beaucoup, moi. Petit avantage, hein, du côté de The Bed, hein, de 60% à peu près. 70 même, je ne sais pas compter les mathématiques, moi ça fait deux. C'est bon, le petit rattrapage. Oh, le air combo! Oh, c'est du volleyball! C'est du volleyball! Il fait des jongles, hein. Ideo fait du jongle, il n'y a plus de respect. 84% à 94%, c'est super serré. Oh là là, je stresse pour eux. Ces matchs comme ça, moi ça me fait toujours serré, j'ai les mains moites. Attention, le... Oh, 106% à 105%. Oh, et The Bed qui n'arrive pas à remonter avec la recovery un peu pétée de Lucina là-dessus. Du coup, première stock prise en avantage d'Ideo, malgré ses 106%. Attention, ça peut aller très vite, hein. Le Edgeguard Lucina, ah, il n'ose pas trop y aller, hein, vu qu'il s'est fait punir sur la chauve-spé en essayant de Edgeguard tout à l'heure. Oh là là, le combo, on passe à 46%. Ça fait très mal, hein. Quelle perfection là-dessus. Ah, le smash qui est piffé, qui n'est pas puni. La punition, non, il n'y a pas de punition. Et je pensais qu'il allait atterrir un peu plus loin. Ideo qui ne meurt toujours pas. Va-t-il mourir là? Je pense qu'il est mort. Oh, c'était limite. Oh, GG. Ah, le up air, hein, il me l'avait parlé. Le short hop up air donne fast fall, vous m'avez compris. Qui est assez incroyable sur Lucina. Qui permet de faire tous les combos du jeu. Et qui est un peu craquette. Oh là 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 là. The Bed qui galère, à qui le fait inferno. Malgré ses 163%, hein. Il manque pas grand chose, un petit air neutral. Oh là là, le match des sections. Attention le. Oh, 181%, hein, fait l'inferno. Ça kill toujours pas. Ah, oh, c'est bon, c'est parti. Putain, il a perdu beaucoup de pourcents là-dessus, The Bed, hein. Déjà 97%. C'est dangereux, c'est quasiment une stock de retard. Et c'est une stock de retard, hein. Voilà, il me fait mentir, il me fait Ideo qui est carrément dans sa game, hein, sur cette finale de son BO3. Ideo a un très très bon Fel Inferno, hein. Franchement, c'est pas le Fel Inferno d'Akuren, hein. C'est dommage qu'il soit pas là pour entendre ça. Allez, The Bed, rien n'est perdu, ça peut aller très vite, seulement à 45%. Oh, c'est bon! Allez, un petit counter, un petit quelque chose. Oh, c'est dommage qu'il n'ait pas counter là-dessus, je pense que ça aurait kill, hein.
Oh, c'est dommage. Je suis très très bien. Oh, et c'est le coup du lapin dans le larynx de Hideo qui met à terme ce match contre The Bed. GG. Ah bah il fait rêver. Hein. Go ban The Bed. Fouh. GG à toi. Hideo qui remporte. Waouh. GG à toi, Hideo qui remporte ce BO3.